sur la semaine du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022, dans Ici Tout Commence sur TF1, Jérémy Pierre Hurel fait son grand retour, elle, Institut pour le plus grand bonheur de sa mère et rencontre Joachim. De son côté, Laetitia ment à Rose afin de protéger Kelly. Par ailleurs, les tensions sont toujours présentes entre Louis et Charline. Tandis que David peut compter sur le soutien de Deva, 5 ans, enquêté sur la mort du chef Simoni, à être classé ensuite. De ce fait, Jeremy peut revenir en France. Ainsi, le jeune homme a temporairement quitté elle, Australie, pour surprendre sa mère. Clotilde est bouleversée de retrouver son fils. Ilès installe donc chez sa mère et fait la connaissance de Joachim, le nouveau compagnon de Clotilde. Rapidement, Jeremy va se méfier de lui et de ses intentions. Les retrouvailles entre Kelly et Thomas, son père biologique, se sont mal passées. Depuis, la jeune femme est triste. De ce fait, Laetitia fait tout pour consoler sa fille et la protéger. Pour rappel, Thomas Lacroix est elle, un des meilleurs boulangers de sa generation. Ainsi, Rose voudrait accueillir Thomas à elle, Institut, pour une intervention dans le master. Pour protéger sa fille, Laetitia ment à Rose et prétend que Thomas a refusé de participer comme intervenant au master. David Neuss est pas remis de la décision des années. Cette dernière, qui est actuellement à Paris, avait préféré Lisandro à son ex-petit copain. Depuis, David est au plus mal. Deva tente de lui remonter le moral, mais en vain. Élève se laisse aller et sombre dans elle, alcool, de son côté. Charline est stressée par la direction du restaurant éphémère, mais peut compter sur le soutien de Louis. Pourtant, lorsque celui-ci tente un rapprochement, il fait une nouvelle fois face à un refus de sa future épouse. Et tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.